Bonjour, nous allons étudier ensemble la première sicha dans Chelkaf de l'écoute sicha sur la parasha de l'Echlecha. Et la le nous dit la chose suivante: Al'ivra Avram et Sara sur les mots d'Avram à Sara, l'ifne également le Mitzrayim qu'ils arrivent à Mitzrayim en Égypte. Il dit la chose suivante: Ce sera quand les Égyptiens vont te voir, v'amou et chose ils vont dire c'est sa femme. Va gottiv vont te tuer. La tachicha ils vont te laisser en vie. Mri a dit, s'il te plaît, que tu es ma sœur. Le manitabli b'avourech, afin que on fasse du bien. et ma vie sera sauvée. Je vivrai grâce à toi. Et de on connaît la question? Comment est-ce et Comment qu'Avram a pu mettre ça dans une situation pareille? que les ébchins l'apprennent. afin que lui soit sauvé par ça. Le Mufashim explique qu'en fait, Abraham n'a pas transgressé une interdiction. Donc, le Mufashim donne des réponses. Euh, on a dans la, dans la 3, faute, et etc. C'est des, des réponses qui nous sont données. Mais en tout cas, il n'y avait rien de mal, si on peut dire, dans ce qu'il a fait. Dans le Zohar, il nous dit Chez Abraham, Aya batouar, Chebisrota, Chez Sarah, la velo Yagubalara. Zohar va un peu plus loin. Il nous dit qu'Avram était avec confiance, était sûr que par le mérite de Sarah, rien ne va lui arriver. Et donc, elle n'était pas en danger. Il n'y a jamais eu de danger. Ach, le gamin mouvanim à dans ce cas-là, ok, admettons que Sarah n'avait rien, rien à craindre. Mais malgré tout, le man vli, va voir comment est-ce qu'Avram a pu dire afin qu'on fasse du bien. Machmeutam, qu'est-ce que ça veut dire Je l'ai déjà à parce que le fait qu'elle va dire Achotiat, tu es ma soeur et nous le matin, tu vas lui donner des cadeaux est-ce que c'est possible? Quand on parle d'une situation tellement grave. Mettre ça dans une position qui était loin d'être une bonne position, pourquoi que afin de, de prévenir un meurtre, la mort d'Avraham, OK, mais dans une situation pareille, est-ce qu'on peut penser à des cadeaux? Ate que des que non seulement ça, mais c'est la première chose qu'Avram va lui dire. Et mina dit que tu es ma sœur. Le man établi voir qu'on fasse du bien, que je des cadeaux. Comment est-ce qu'on peut penser qu a pensait ça Dans la racine, l'Arby nous dit que il y a une autre interprétation de le man établi dans le radar qui nous dit C'est quoi le man établi Qu'on qu qu fasse du bien, c'est qu'on me tue pas. Quel qu'avait chez Tovachet. n'a pas en tête qu'on lui fasse quelque chose d'autre. Il y a d'autres biens. ככה הוא באברנל, שיח שם, אברנל, אלשיך חוסין לדיז לארנשוז, כאילו מאני תבליק קומפת דה ביאן סיפה כאילו דה כדור אד לארג'ן. זה כאילו ביאן סוסחה כמלא סנבי. דז לפני לפי ראש הרמב"ן, שם, למשוז פה לרמב"ן. חן לפי פירוש ראשי הנ"ל. אלא משורז הבכיר ראשי אשר דזי יגרום להצלת צרה כפרסאי פורה סובי שרה. אבל פשוטו דה מקום ראשי נודי יתנו לי מתנות. on me donne des cadeaux. Le machmache, ce n'est pas un machma comme ça. On n'a pas l'impression que c'est ça que Abraham voulait dire. En tout cas, comment est-ce qu'Abraham a pu dire une chose pareille? C'est faire un zoa à Et le zoa pose la question. Comment est-ce qu'Abraham, vous voyez en hébreu, il y a quelqu'un qui a la hira tre. Ou Omer a dit à la totère sur sa soeur, c'est-à-dire à Omer a dit à la totère sur sa femme, afin qu'on lui fasse du bien. כמו סקייסים פוסיפים שוספיים. ומשיבים על כך, נראה פה, שאברהם לא סמך על זכות הדילה. אברהם לא סמך על זכותה שלו, אברהם סיפר אופוזיציה סומרית עלוים. לא בא מן הכל שביחו להפקה זכותה. ולא ביקש מן הקדוש ברוך הוא להפק את זכותו. אלא פד מודה השם דו יוסס ערבי או דסחתיר גסה סומרית. לאל זכותה די תתה. די רווח בגינה ממונה לשאר המין. en hébreu, Samach asroti shto, c'est reposer sur le mérite de sa femme. Sherviach bavoa qui va gagner par elle, grâce à elle, mammon l'argent, ça s'acharme des autres nations. Ha, mammon a battu zachel le banash. Qui le mammon zachadam asroti shto, parce qu'une personne gagne l'argent par le mérite de sa femme. La panassa d'une personne vient par sa femme. Et donc, il a dit que la panasa ça va venir par le mérite de sa femme. sham

et abuser d'elle, parce que c'est par le maire de Sarah, elle était protégée. Donc, il n'y avait pas de danger en disant, tu es ma soeur. C'est ce que le Zoro nous explique. Il faut comprendre aussi. C'est quoi la question principale du Zoro Comment est-ce qu'Abraham peut dire ça sur sa femme Qu'on lui fasse du bien, qu'il ait un bénéfice et qu'on mette sa femme en danger juste pour qu'on lui crée qu des cadeaux. Et que de c'est la même question qu'on avait plus tôt. Qu'est-ce qu'Abraham a pu mettre sa femme Le Matzav, quand c'est est dans une situation pareille, il faut qu'on lui fasse du bien. Alors, tu vois, je t'en ai Et la réponse, claire et simple qu'il était évident pour Avram, qu'on ne pourrait rien lui faire, ni à lui, ni à elle. Bah, à elle. C'est pour ça qu'il n'avait aucun problème de dire que c'est sa soeur. C'est-à-dire qu'on va laisser en vie, on va la prendre elle, parce qu'il était sûr que rien ne va lui arriver. pourquoi est-ce que c'est possible? Dans le Zor, on nous dit au début la question. Shavram était sûr qu'il allait gagner de l'argent pour ça par elle. U'machiv alkar ketadibo et le oies continue Que la par ça vient par sa femme, donc il était sûr qu'il allait gagner de l'argent. et alors la chose essentielle, shuayyabatuar qu'il était sûr que rien ne va lui arriver, au moins les hommes toujours. Les hommes nous disent ça à la fin. cest que la chose la plus importante, c'est que Abraham puisse gagner de l'argent grâce à elle. Les hommes aussi rajoutent rajoute que Abraham était confiant que rien n'allait arriver à ça. Ça veut être le contraire. Normalement, les hommes disent, Abraham avait confiance que de toute façon rien ne va lui arriver. Et en plus de ça, ils allaient gagner. Alors pourquoi pas Mais de dire qu'il allait gagner de l'argent. Et Ça, c'était la chose la plus, la plus importante. Mais que peut-être que aussi, ou pas peut-être, mais il était sûr que rien ne lui arrivait. C'est secondaire. Et terme, car plus que ça. Parce que là, Tachoua n'a même pas au début la réponse de avons dit quoi il ne s'est pas reposé sur son mérite à lui. Il dit qu'il ne pouvait pas se reposer sur son mérite à lui. Ça, n'a rien à voir à la réponse à la question. C'est quoi la question? Comment est-ce qu'Avram a pu dire une chose pareille et que sur sa sœur pour qu'on lui fasse du bien? Après, le Zohar nous dit, il, il s'est parle pour reposer sur son mérite à lui. Ok. Mais comment ça ne répond pas Comment est-ce qu'il est pu se reposer sur son mérite à elle, ou bien lui dire qu'elle, elle, fasse quelque chose La réponse est la suivante. <t> « Akadosh Bukha, premier Avram, j'ai lech l'Echlecha que par l'intermédiaire de l'Echlecha Marzecha de partir de son pays. <-t> « Avram va méditer que Hachem va le faire une grande nation. « Vavachécha, je vais te bénir. Et je vais agrandir ton nom. De quoi je vais te bénir? Rachid nous dit, ça veut dire, ça veut dire que je vais te faire grandir en argent, tu rends de l'argent. Donc, Abraham a compris que le jour a fait en sorte que les choses arrivent. Que les choses arrivent pour qu'Abraham soit forcé de quitter Israël. Mais si on l'accepte maintenant, dans le monde de Rachid, que... Hachem le force à suivre, à quitter Israël. Qui est d'ailleurs contraire à l'opinion du Ramban, dit Rachid dans l'Arabie dans la 12. Ramban nous dit qu'Avram n'aura pas dû partir d'Israël. Mais d'après Rachid, Avram a compris que voulait qu'il parte d'Israël. L'arrêt d'Etnitsama, de descendre en Égypte, afin d'accomplir la bénédiction qu'Hachem lui a donnée, je vais te bénir par l'intermédiaire de ce Lachlacha. Donc Avram a compris qu'Hachem voulait qu'il atterrisse en Égypte. Afin de pouvoir avoir cette bohaha de, de richesse. Donc, il a vu une manière naturelle, et il y a une possibilité de manière naturelle qu'on puisse gagner beaucoup d'argent par l'intermédiaire qu'on va dire que Sarah et sa sœur, Donc, il lui a dit Dis, s'il te plaît, que ma afin qu'on puisse avoir du bien. C'est-à-dire, qu'on puisse avoir l'argent qu'Hachem nous a promis. C'est ce effectivement ce qui s'est passé. En, par elle en disant ça, effectivement, on a fait du bien à Avram. On lui a donné du bétail, et des, des, des animaux, et des, des ânes, etc. Donc, effectivement, pour Avram, c'était le plan hein, divin. Le plan, il y avait une bénédiction qui allait se passer de pouvoir faire de l'argent. Avant, on dit ah bon, peut-être que ça va passer par cette manière-là. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Maintenant, de la même manière que cette idée-là, elle s'est passée Kipchoto, concrètement, par la descente d'Abraham en Égypte, il allait gagner de l'argent. Même chose de petit mute, à l'idée -le de l'Echlecha, par l'intermédiaire de l'Echlecha, à Abraham a dû être élevé, à c'est-à-dire

les essentiels de Kutusha qu'on a dans le monde. Et les mitzvot, il faut qu'on les accomplisse de manière générale, de manière naturelle. C'est pour ça qu'Abraham a dit à Sarah, Il me dit que tu es ma soeur. Par ça, il va pouvoir accomplir mais de manière naturelle, c'est-à-dire en passant par le chemin naturel, le but de la, sortie, de la descente en Égypte. Qu'est-ce c'est quoi ce but-là Il t'a lut Avraham, c'est pouvoir faire en sorte qu'Avram soit élevé par l'intermédiaire de raffiner les étincelles de Kedusha qui se trouve là-bas, euh, qui est le manitav libavourech eh, afin qu'on trouve du bien. Donc, c'est ce que le Zohar nous explique. Ah, je mais attends, c'est quoi la question dans le Zohar Ce qui s'est passé là, c'est que le manitav, cette élévation qui va se passer par le fait qu'Avram va raffiner les, les étincelles, et c'est ça le bien, il est Il y aura que ça va être uniquement pour avoir, mais pas pour ça. Ah, d'avoir au contraire. Ça va se trouver chez les Égyptiens. Coincé. elle pas ce qui s'est passé. Elle a abouti dans le palais de Pharaon. La femme a été prise dans la maison de Pharaon. Ils n'ont rien pu lui faire. Mais elle a quand même été kidnappée, prise, je ne sais pas où. Donc la question devient, comment est-ce que c'est possible de dire, qu'Avram la Avram puisse causer à Sarah de descendre tellement bas, paro, d'être dans la maison de Paro. Pourquoi? Le Tsar pour que Avram lui puisse élever de manière spirituelle. a c'est vrai quand il y a Ybor Avram, c'était clair pour Avram. Que la raison pour laquelle ils vont aboutir en Mitzraïm, c'est uniquement pour pouvoir remonter encore plus fort. Il qu'on fasse du bien. a plein de chemin a vraiment pu se reposer sur Hachem. Il dit que ce but-là, cette, cette mission-là, va s'accomplir d'une autre manière. L'idée est d'attacher ça sans mettre ça dans une situation qui va, être, qui va la compromettre.

Donc, ça ressemble un peu à la même idée. Donc, comment c'est possible de dire qu'Abraham a mis ça dans une situation comme ça pour effectivement. C'est vrai que c'est pour accomplir la kavana que Hachem a d'élever les, les, les étincelles de, de l'Égypte. Mais il faut avoir confiance en Hachem et se dire ok, les choses vont se passer d'une autre manière. voilà la réponse de Zohar. Qu'est-ce que le Zohar veut me dire Il ne s'est pas reposé sur son mérite à lui la a était sur le mérite de sa femme. Qu'il allait gagner par son intermédiaire ou grâce à elle l'argent. Pourquoi Parce que l'argent, comment est-ce qu'une personne la ça Par le mérite de sa femme. Gagner de l'argent, une personne le mérite par sa femme. Mais quand et de là, on, voit, de là on comprend. C'est la même chose spirituellement. Si c'est comme ça dans le monde physique, c'est que ça vient d'une source spirituelle. Afin qu'on puisse avoir cette élévation. En raffinant les étincelles qui sont en Égypte Ça ne suffit pas qu'avoir descendre en Égypte Et il ne pouvait pas se reposer sur son mérite à lui. C'est-à-dire que lui-même tout seul va descendre en Égypte un truc comme ça. Il a besoin d'avoir le mérite de sa femme. Par l'intermédiaire de la descente de sa femme. C'est comme ça qu'on va pouvoir élever les étincelles qui va pouvoir, grâce à elle, gagner l'argent de de, des autres nations. Étant donné que le but de la descente en Égypte, c'est quoi C'est que c'est l'IA qui va venir par l'intermédiaire de cette femme intelligente qui est Sarah. Avec le on comprend chez Bisqotha que par son mérite à elle, rien ne va pouvoir lui arriver à lui. L'autre est également, il est dans la femme. Avra ma part où il donc, Abraham était content, confiant, et c'est la réponse de Zohar, qu'étant donné qu'ils font la mission en HM, et que c'est sa femme qui va, être, qui va jouer le rôle le plus important dans cette mission, et qu'elle, c'est sa déquête, elle a son route, rien ne va lui arriver, et la mission va se faire exactement comme ça doit se faire. Comme tout ce qui se passe avec les c'est aussi un enseignement pour les, pour les enfants. Pour nos générations, toutes les histoires qui sont passées avec les Avot, Abraham, Isaac, et Yaakov, etc., c'est pour nous. Donc, on a aussi une leçon. On a une leçon par rapport à notre avodah la spirituelle, l'avodah d'une personne, et la descente de l'Anishama dans un corps, de manière générale. En particulier, la descente dans la Gelout. Pourquoi Je vais avoir le d'Agot et l'Anishama le Gouf. Avram et Sarah représentent la et le corps. Et Mousbar, c'est marqué longuement dans le Zohar, c'est expliqué. Avram représente la ça représente le corps. C'est-à-dire, dans cette avodat qu'on a de faire la Torah, les mitzvot, raffiner les étincelles, de manière générale, il y a deux manières de le faire. Il y a un travail qui est fait par la principalement. Qui ressentit ressenti un peu dans le corps aussi. De l'autre côté, on a une avoda qui est faite principalement avec le corps et par l'intermédiaire du corps. Adam Oved, cette personne qui va servir à Hachem. Il n'est pas détaché des choses physiques. Il est au contraire. Il descend de son niveau spirituel où il est. Il s'habille dans, dans les choses de ce monde-là. Et c'est dans le monde qu'est-ce qui se passe Les choses du monde, le monde, c'est un endroit difficile. C'est un endroit où les Hashem ont du succès. C'est les Hashem qui, qui ont le pouvoir. Et là, dans ce monde-là, dans ce monde difficile, c'est là-bas qu'on va faire la Torah le Mitzvot. C'est là où on va élever les étincelles de, de divinité qui se trouvent là-bas de manière générale. Comme on y le ou ça ressemble, ça parallèle ce qu'on mentionne très souvent dans la chassidoute. Les gabeh En ce qui concerne les deux sortes de bavoda spirituelle qu'on trouve, qu'est-ce qu'on a là-bas On a un offen shel achoti, offen shel isti. La on nous explique qu'il y a deux manières, il y a deux relations entre la neshama et l'âme. On a une relation qui est comme une sœur ou une relation qui est comme une femme shele en shtendagat bavat hashem ce sont deux niveaux dans l'amour qu'on a pour ham hadamot et schnesuga deux sortes d'amour il y a un amour ben ach lachot entre un frère et une sœur ou bien ben ish le shtobe un homme et sa femme hadam se tayadakam et kol yodi mitznah shelok ki zet amour la ki kasher que chaque juif a hatvu et zal yodi mi quelque chose qui est qui fait partie de la nature d'un juif depuis sa naissance L'autre, c'est quelque chose qui ne pourra jamais être touché. Ça ressemble à l'amour qu'on peut voir entre un frère et une sœur. C'est-à-dire, c'est un amour naturel depuis la naissance. L'autre Et ce n'est pas quelque chose qui peut s'interrompre. Par contre, l'amour qui peut exister entre un homme et sa femme, un amour dans le couple, il est possible d'avoir un divorce. Et c'est possible que cet sa amour s'arrête. Et que ces deux se séparent. Alors, de l'autre côté. Donc, on a l'avantage dans une relation entre frère et sœur, c'est une relation qui est naturelle, profonde, innée, et qu'on ne peut pas séparer, qui ne peut jamais s'arrêter. Alors que l'amour dans un couple, c'est quelque chose qui, qui va, qui vient, mais qui peut aussi s'arrêter. de l'autre côté. Mais si pour cette, pour ces cette raisons-mêmes, que va, et ben et cet amour qui existe entre le frère et sœur, c'est un amour naturel. Dans cet amour-là, il n'y a pas de passion. Il n'y a pas d'unité parfaite qui est Ça reste deux corps séparés, ça reste deux individus séparés qui ont un amour très profond, un amour qui ne pourra jamais s'arrêter. Mais de l'autre côté, ça manque toute la passion qu'on va retrouver dans un couple. Le par contre, avant le ça c'est au niveau de cet avodah. Quand on a l'avodat, qui est quand la neshama vient dans un corps. On a dit que c'est comme l'amour la, 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 qui est entre un mari et sa femme. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe Cet amour-là, qu'on a quand il y a la et il y a nefesh nefeshabamit, et qu'on travaille avec le gof et on travaille avec la nefeshabamit, c'est comme l'amour qui est entre un homme et sa femme. C'est possible qu'il y ait une séparation de présent. Ce n'est pas un amour naturel depuis leur naissance. Dans cet amour-là, dans cette relation-là qui existe dans un couple, c'est là où il y a de la passion. Mais cette union qui peut exister entre un mari et une femme, une union qui est parfaite, elle devient un seul corps. Un seul corps au moment où ils sont ensemble, un seul corps par l'intermédiaire d'un enfant. Ça, c'est la leçon qu'on apprend à Abraham. Ça. Va. Pendant ça, ça veut dire quoi? Gagner. Où est-ce qu'on gagne? Quand on est avec sa femme, c'est-à-dire Sarah. C'est-à-dire quand on a cette relation dans le monde, avec le challenge du monde, etc. C'est là qu'on va pouvoir s'élever, quand les choses sont compliquées. Quand est-ce que cet femme va avoir vraiment un amour profond pour Hachem? D'Afka, quand la Neshama descend ici sur terre, s'habille dans un corps, ce qui va ressembler à cette histoire de descendre en Égypte. Egypte. Non seulement en Égypte, mais dans la maison de Paro. Le but de sa descente, c'est pour s'élever. En raffinant le corps et l'âme animale et tout ce qu'il y a dans le monde, le moral en comprend. Il n'y a rien qui va pouvoir se faire. On ne va pas pouvoir les punir. Parce qu'un Shama est descendu, ici pour ça. שלא נגרמת הידרדות בין נשמה יאו אוקן דגה סופידי כבספירה לנשמה לנשמה בפא דגרן גולי ופא תורמי. וכן לא יכלו לחי חבר, אלא משוז לקור. הגוף אינו שקר חד ושומק ליבת התומה. לגוף לימם, לקור לימם, לבפא דיסון תורן התומה. אלא ליפה חוקוונדחיה. שניהם מתעלים מעלה מעלה. לידור וונדחי Quand la Neshama vient dans le corps et que le corps fait ce qu'il ce qu'il a besoin de faire, qu'il écoute la Neshama et qu'on en fait le corps est impliqué dans la Torah de c'est ce n'est pas juste la Neshama qui gagne, c'est le corps qui gagne. Les deux sont élevés et on est protégé. Il n'y a rien qui va arriver à notre corps, il n'y a rien qui va arriver à notre Neshama Ah Ok, il faut comprendre.

que l'argent va être gagné d'Avka par le fait que il va dire qu'il va dire que c'est sa sœur. comme Avram lui-même le dit. Le man est afin que je gagne dit en disant tu es ma sœur. Normalement ça devrait être le contraire. C'est puisque c'est sa femme, c'est parce que c'est sa femme qui va gagner. C'est-à-dire qu'on rentre dans le corps, on est impliqué comme dans cette relation homme-femme, mari et femme. On prend deux choses qui sont complètement séparées, on les met ensemble. Eh bien, c'est là où on a du travail, à l'opposé de ce lien qui existe entre frère et soeur, on avait dit. Donc, normalement, c'est justement en disant qu'elle est la femme. Ce n'est pas le sceau de sa femme qui peut y avoir ça. Comment est-ce elle doit, ça reste censé dire qu'elle est sa sœur. Mais la même chose en ce qui concerne l'élevation n'est pas faite par cette madrèque qu'on appelle la sœur. זה תדיר <עוד> על ידי עבודת הנשמה עצמה פעם, ומתחווה את זה עם הנשמה אין מהם. אלא דווקא על ידי עבודה מסוג של אישה, זה דווקא מתחווה את זה לנשמה אותה נקפה, זה עבודה באמצעת הגוף, ומתחווה את קלקו, כדי לקרוא ולביא פריטו. מהו החידוש של דרגת האחותי בעבודה רוחנית, הקיסקל סוודיה כאילו אדיר כלי מעשר למניח ספיריטואל. כמו בתורת החסידות, בוא נר אקספיקנו על החסידות, שכוונת דברי אברהם האחותי היא, כאילו אברהם כהן ידיע C'est de ça que ça vient. l'a afin de pouvoir comprendre ça. Il faut retourner au Zohar avant ce qu'on a dit avant. L'histoire qu'on a une histoire avant de ce qu'on vient de voir dans ces psukim de ce qui s'est passé, l'explication des Zohar, etc. Donc, une fois, la question est que, normalement, si toute la malasse est justement cette idée d'Avoda, comme la, comme la femme, comme l'homme et la femme, pourquoi est-ce qu'il faut mentionner le fait que tu es ma sœur C'est d'après parlant en disant que tu es ma sœur, que ça va se passer donc, Rabbi est dit, retournons au Zohar. Et le Zora, juste avant ce, ce, ce vote, si on peut dire ce mot-là, sur Abraham et Sarah, il y a une introduction, il y a une histoire qui s'est passée. Rabbi Eléazar, Rabbi Eléazar est parti, l'héroïne est allé voir son père. Rabbi y avait avec lui. Rabbi Abba. Les deux sont partis. Amar Rabbi Abba. Rabbi a dit la chose suivante. Nema Malin et En hébreu, nous dit. Parlons des mots de, de Torah mot de en, en voyageant, en partant.

c'est Qui est Zé Amar Avram Betchalach Betch Misraimsa. Pourquoi Pourquoi ce pas souk Parce que c'est un pas souk qu'Avram a dit, alors qu'il voyageait en Égypte avec Sarah. Rabbi Léazar, Rabbi Abba, Maldéch Avram Misraimsa. Et Rabbi Léazar, Rabbi Abba, ressemblent à Avram et Sarah. C'est la même chose. Qui Avram et Sarah, Mprinat AM, AVM. Avram et Sarah représentent la madrigue de AV et M, de père et de mère. Khochma et Bina. Et Rabbi Léazar, comme on dit, Rabbi Léazar, Mprinat Khochma, la même chose, Rabbi Léazar, c'est la madrigue de Khochma. רבי אבא עשה מבחינת בינה סלם הדרגה בבינה אם כן, דונק, הליכתם בדרך לא שמינם, אה 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 היא דרך כמו הליכת אברהם סא סלמם שוז כלווייש דאברהם מדסא רבי הרליג'י בדרך אברהם אמר אז אם אינח אותי יד יעשו פסוק לה אם אינח אותי יד גם כן דרוש בפסוק הזה, אז כה Abelazar, qui représente Avram, qui représente Chorma, a aussi dit ce pas là C'est la même histoire qui se répète. C'est quoi cette histoire Je ne sais pas, le En fait, quoi Cette histoire-là, Abelazar et Rabbi Abba nous enseignaient un ils voulaient nous enseigner un sur l'histoire d'Avram et Sarah. Mais en fait, on peut apprendre de leur histoire à eux quelque chose sur l'histoire d'Avram et Sarah. Mais maout advarim, c'est Rabbi et Rabbi Abba, de l'histoire même qui s'est passée avec cet échange entre Abelazar et Rabbi Abba. C'est-à-dire le prénom l'échange entre Abba Chochma et Bina. On peut maintenant apprendre encore plus par rapport à Abraham et Sarah, c'est-à-dire Nechema Beguf. Le cendras Sphirot, dans l'ordre des Sphirot. Bina reçoit le concept, l'idée de Chochma. Ah, davka l'idée de mais quand cette idée, ce concept, elle va descendre dans la main de Bina quand on va pouvoir rentrer dans les détails, dans l'explication, on va rentrer dans tous les détails. Là, On va rajouter un avantage par rapport au concept lui-même. Chez l'eau et un qui n'existait pas encore dans le concept, comme c'était la chorma. C'est-à-dire que la c'était un concept. dans les détails. Une fois qu'on est rentré dans les détails, on comprend le concept beaucoup mieux. Quand qu'on l'a expliqué, qu'on a donné des exemples, etc. C'est bâle c'est quoi la raison? Je le bina parce que bina a une source plus élevée. Dans cette capacité intellectuelle que la neshama a, et c'est une source plus profonde que chokhmah. Il faudra donc, mit chadesh bina. Chochma peut gagner par l'intermédiaire de bina. Il y a un avantage dans chokhmah par rapport à bina. Donc, quand je prends un concept, au début, c'est un concept. Et quand je réfléchis dans les détails, mon concept, je le comprends mieux. Okay je peux prendre n'importe quel concept. Une pomme. Une pomme, c'est une pomme. Et tout d'un coup, je vais réfléchir. OK, c'est quoi une pomme Alors, je peux dire qu'une pomme, ça me fait penser à recherche un Une pomme, ça fait penser à, je dire, aux ordinateurs, au téléphone. Et donc, ça me fait penser à la communication. Ça me fait penser aux rechercheur de Zoom. Tout un tas de choses qu'on peut amener dans une pomme. OK Maintenant, la prochaine fois, je vois le mot pomme, le concept d'une pomme. J'aurais une profondeur de la, de, 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 du concept que je, que je n'avais pas avant. Donc, par l'intermédiaire de Bina, j'ai gagné dans ma compréhension, dans ma vision de Chokhma. Ah, Khamala, je suis quand Mais l'avantage que Bina donne à Chokhma, c'est possible uniquement, c'est si quoi C'est si Bina reçoit le concept de Chokhma. C'est-à-dire que je réfléchis à mon idée. Pour donner un exemple. Des fois, le rabbi disait, sur un rachid, des fois, comme on sait que le, le, le rabbi expliquait les, les rachis, etc., il y avait tout un tas de questions. Et le rabbi disait que des fois, les gens donnent une réponse, ils ne réfléchissent pas à quoi ils pensent. Dans le sens où la question, c'est une question, on va donner une réponse, mais la réponse ne, ne correspond pas à la question. Donc, on est rentré dans un binar, dans toute une analyse, qui n'est pas une analyse de la chorma. Donc, des fois, hein, mais quand on a des conversations, on se rend compte, on a des conversations avec les gens, et ils sont à côté de ce qu'on leur dit. Et On, on voit qu'ils ne comprennent pas ce qu'on leur dit. Donc, il faut que binar et soient bien alignés.

sur le concept que les femmes ont, une bina, ont plus de binar que les hommes que malgré que la première graine d'un enfant si on peut dire la, 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 qui va développer cette goutte, qui va développer un enfant ça vient du mari mais c'est la femme qui va développer cet enfant là et qui va lui donner naissance Tandis que la malade de la femme, c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur. On voit pas cet enfant. Il est à l'intérieur. C'est caché. On le voit, la capacité de donner naissance à un enfant, c'est quelque chose que la femme a, que l'homme n'a pas. Quand est-ce qu'on voit qu'une femme est capable de donner naissance à un enfant Quand elle va recevoir cet ashpa de, de, de l'homme, de son mari donc, il faut qu'il y ait cet échange-là. S'il n'y a pas d'échange qui va se passer, la Bina ne va pas recevoir de Chokhna, ben la femme n'aura pas d'enfant. Les les gilo et les hommes et les dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe L'homme aussi gagne. C'est-à-dire, comme Hachem l'a dit, Hachem nous a créé hommes et femmes, mâles et femelles, Hachem nous a bénis les deux ensemble. Et Mère Lame, pour vous, il leur a dit il y a des enfants. Maintenant, ça va se passer comment C'est la femme qui fait le, 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 tout le travail en recevant de l'homme. En recevant de l'homme, elle va développer avec un enfant et l'homme va pouvoir devenir un père et accomplir la mission et la mitzvah qu'Hachem lui a donnée. Donc, il y a la même idée. Donc, on a parlé de Chokma et de Bina, c'est-à-dire que c'est Bina qui va développer Chokma et qui va en même temps améliorer. Si on peut dire donner un avantage à Khakma, on avait dit comme la mère qui va permettre au père de devenir un père. Mais en même temps, pour, pour que ça se passe, il faut que la mère puisse recevoir du père. Et tant qu'elle n'a pas reçu, c'est encore caché. Cette capacité de pouvoir développer, de, de, de donner naissance à quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui est caché. Donc il y a une, une, une interaction, une symbiose qui se passe entre les deux. Donc la même chose, on peut retrouver dans l'histoire d'Arbi Abhar Lazar. Mahout alekhatam medehirida k'desachet aniyanolam. Le fait qu'ils sont partis, hein, qui, qui voyageaient, <coughs> pour eux c'était une irida, une descente, afin de pouvoir raffiner les choses du monde. Fischador pachush etzer Rabbi Elazar. On sait que Rabbi Elazar, qui était le fils <coughs> de Rabbi Shimon Bar Yochai, etzer Rabbi et Rabbi Abba qui est parti de chez Rabbi Shimon Bar Yochai, est parti du groupe de Rabbi Shimon. Pour eux, était Torah tout le temps Leur Torah était leur travail, leur vie, leur profession. Ce qui veut dire, dans d'autres mots, qu'ils étaient des gens qui étaient complètement détachés du monde. La seule chose qu'ils avaient, c'était la Torah. Au point où ces gens-là n'ont pas besoin de prier trois fois par jour, etc. C'est des gens qui sont dans un, dans un niveau complètement différent et détachés du monde. Pour eux, d'aller quelque part, de prendre du temps, d'arrêter d'étudier et d'aller s'occuper de quelque chose, c'était une descente dans les choses du monde. al fait qu'ils sont, qu sont partis voyager. La Félicité de envoyé, même si c'était pour aller voir le Père, c'est-à-dire l'Abbé Shimon Bar Yochai, pour eux, c'était une interruption dans l'étude de la Torah. Et donc, une irida, une descente, ils devaient descendre de leur situation telle qu'ils étaient. Et donc, Amir Rabbi Bar Rabbi nous dit disons, on a un mot de Torah que dès l'HPB, on afin de pouvoir influencer sur le monde. Si on veut influencer le monde, avoir un impact sur le monde, il faut qu'on puisse sa source et sa force de la Torah. Comme on en a parlé plusieurs fois. La force qu'un sec, c'est-à-dire quelqu'un qui est dans les, dans les affaires, dans le monde des affaires, qui ne travaille pas, quelqu'un qui est dans la chiva au collège, mais quelqu'un qui est dans, dans le monde, dans les affaires. Comment est-ce qu'il a la force à faire Comment est-ce qu'il peut transformer le monde Le bureau, le travail, le magasin On dira pour Hachem. Et la force qu'il a, c'est pas juste de l'étude de la Torah qu'il a au début de la journée. Parce qu'il va d'abord prier, ensuite il va étudier un petit peu après la Tfila. Après avoir étudié un peu, il va aller travailler. La gamme est mais la force qu'il a de transformer le monde, c'est aussi au moment du travail. Au moment du travail, on a besoin de puiser sa force de la Torah. Et donc, il a besoin, au milieu du travail, qui ressente la malade de la Torah. Qu'il ressente une connexion avec la Torah, que la Torah, c'est la chose la plus importante de la vie. Et quand il a ce sentiment-là, qu'est-ce qui va se passer Il va voler un peu de temps, du temps qu'il a dans le travail. Il de pour étudier, entre deux clients dans le magasin, dans le restaurant. Il va sortir une mishnah, il va étudier une mishnah, il va faire un pack de Dès qu'il peut, il a une chance. Pourquoi Parce que dans sa tête, pour lui, c'est la chose la plus importante. Et c'est pour ça que Rabba dit Rabbi Pourquoi est-ce qu'il a dit ce nom-là Eliezer. pardon. C'est le Kéavi Bézé, le nom, le dieu de mon père va m'aider. Pendant qu'on est en train de voyager, on a besoin de l'aide. Une aide qui vient de qui vient de Dieu. Et le Kéavi, le dieu de mon père, va m'aider. Comment est-ce qu'on a cette aide-là? En disant un mot de Torah. Même si c'est en chemin, on échange un mot de Torah. À on peut révéler L'avantage qu'il y a dans, dans qu on a dans le travail qu'on a dans le travail d'un balèsec, le travail qu'on a dans le monde, qui est de transformer le monde, aller chabader, avancer dans le monde, ou voyager pour eux, c'est un avantage par rapport à tout de la Torah même mais pour qu'on puisse avoir cet avantage, il faut qu'on soit connecté avec la Torah. Si on n'est pas connecté avec la Torah, on va être absorbé dans les affaires du monde, on ne pourra pas transformer le monde. Donc c'est important et critique de pouvoir se rattacher, de comprendre que la chose la plus importante, c'est l'étude de la Torah. Pour revenir à l'exemple qu'on avait donné de Chochmah et de Bina, oui, Bina, c'est un avantage par rapport à Chorma, uniquement si Bina est prête à recevoir, de Chorma être influencé par la Torah. Donc la même chose ici, on a besoin, ces Chachmés vont là dans le monde de Bina, si on peut dire, on est métasec dans le monde, on a besoin d'être connecté avec la Torah, avec la Chorma. On va revenir maintenant à l'histoire d'Avram et de Sarah. Les Neshama et les Gouf. Juste, je voudrais faire les, les, la, la RA 39, où le rabbi nous dit, donc, si on reprend cette idée-là, on va comprendre pourquoi cette, cette histoire s'est passée avec Rabbi Lézé et Rabbi Abba. y à Pierre H. L'Ifnézé, donc basé sur la qu'on avait avant. La RA, juste avant, c'était quoi C'est que, on a, on a cette idée-là que, euh, Abishemon Bayyochai était complètement quelqu'un qui était torah tout Neto dans le monde de la torah. On passe sur ça. le le On peut comprendre aussi pourquoi est-ce qu'il y a eu cette histoire-là, cet échange qui s'est passé entre Rabbi Abba et Abulazar et le mot qu'il a choisi de dire, le Torah qu'il a choisi de dire, c'était dafka sur l'histoire d'Avram et Sarah qui sont descendus en Égypte. Kmo shavram mitzvato shesdav la hayalech lecham arzecha la Avram. La mitzvah qu'il a reçue, c'était quoi l'echlecha? De partir de sa terre, l'echlecha, 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 l'echlecha. A fal et malgré tout. va y avoir barrette quand il y a eu cette famine. il a, il a été. Il, il, il a dû s'arrêter de la mitzvah de l'echlecha. Mais une le mitzvah, je, suis, je, je saute la parenthèse. Mais quium mitzvaz, il y a mitzvaz. Donc il a pris une pause, si on peut dire, de cette mitzvah dans l'echlecha. Il est parti en mitzvahim. Kalachon Rashi. Mais si on l'a poussé à sortir. Même pour eux, ils étaient dans le monde de la Torah. Et on, de ces gens-là n'arrêtent même pas pour la kam Ils se sont arrêtés pour faire une mitzvah qui n'était pas leur, la, la chose à eux, là, pour eux, c'était les sacs les, les dans lesquels ils étaient, parce qu'ils étaient toujours dans la Torah. Ils sont arrêtés pour ça. Donc, on a le même parallèle il y entre Avram et Sarah, Korchma Béla, etc. Tout, les, tout, tout, tout ça est ce... le même parallèle, si on peut dire tout ça exactement la même chose. On comprend maintenant comment tout est lié. Donc, je reviens dans la Sikha, On est dans Siman Zayin. Fizé, gam le Avram et Sarah, Zé, Gabe le Maintenant, on peut revenir au même parallèle qu'il y a entre Avram et Sarah et la et le Gouf. Encore une fois, qu'est-ce qu'on a dit? C'est que oui, il y a une malade dans la Voda avec le gouffre. Sarah, donc là, on avait dit que Sarah, c'est quoi C'est Ishti, ma femme. Et ce qu'on est en train d'expliquer, c'est pourquoi est ce vraiment a dit à Sarah, hein, dit que tu es ma sœur. La ben, on avait dit que c'est quand la n'est pas connectée dans le monde. Alors que là, on a expliqué toute la malade de la Neshama dans le monde. On a expliqué la malade de Bina par rapport à Chortma. Mais maintenant qu'on a expliqué que Bina est une malade par rapport à Chortma, Dafka, quand Bina est connectée avec Chortma, Maintenant, on peut retourner. On comprend cette histoire ici. Bethal et Chabader, quand ils sont, ils ont voyagé. Kiridat les Mitzraim, ils sont descendus vers Mitzraim, les Galutes. Chéndiridat la neshama le gouv perchlera même manière quand la neshama descend dans le corps. Il y a une histoire de mira. On a besoin que on dise, c'est-à-dire quoi La mira, l'hashpa de Avraham et Sara, de la neshama le gouv. On a besoin que la neshama ou Avraham puisse influencer. Hashpa zot din b'tad b'mein achotiat. C'est quoi cette influence לימור אימרין אחותיות, סתדיר, שהגוף יחוש בדרגה של אחותי, כל הכור רימם סנט סתידדו אחותי, סתדיר מעלה את עבודה וגילוי הנשמה, למה לדול הנשמה, ערב אלי ללמייה דול הנשמה, איכון לגוף סנט כל הנשמה אסל פריפור, ועל ידי כך תתבצע לאחר מכן, כאוי עבודה רוחנית מהסוג של אישה, כל הכור רוסן, כל הכר של הנשמה, הכר של הספיריטואלית סטרה, עלאם פברמות על הדחרי. Là, on peut vraiment faire le travail qui est comme le travail de Isha, c'est-à-dire quoi C'est quand la Neshama est dans un corps, afin de raffiner, de transformer le monde. Malade à Gouf, C'est la maladie du corps de par lui-même. Hana Ale, Meshachom, Neshama, qui est plus élevée que la Neshama dans sa source. Mitgalé à malade à on va révéler la malade de Ishti, qui est la Vedade d'Agouf, Gouf, à par rapport à la Vedade la Neshama. Mais, il faut que la Bina reconnaisse l'avantage de Chokhma il faut que le corps reconnaisse l'avantage de la neshama c'est le mani ça ça va bien sûr élever la neshama aussi le mani la neshama va aussi gagner bavurach grâce à toi grâce à toi c'est quoi c'est le goût c'est ça en fonction de l'image qu'on qu qu cherche demain quelqu'un qui a été zoché qui a mérité une femme intelligente il a tout, il a tout mérité par c'est b'shut aicha par vient dans b'shut aicha בסגנון שונה קצת, דון זנסתינא פדיפיונדנות חומי. באמצעות עבודת הנשמה בגוף פעלנתם מיד ותחווה דלא הנשמה אקלקו. ועל ידי הגוף בחלקו בעולם. אי פעלנתם מיד וקור. או, והנשמה דון לקור אלוקו דון בחלקו בעולם נוטות לשוץ כאיזה פחטיאן. ותחווה אל הדיד ולדפמי אצלם. כשהגוף של עצמו הוא חומי הנדמה וחומייתו לגופי מות העולם. וקור דפעל ימיהם. סדלה מתייר. De manière superficielle, ressemble exactement au corps de n'importe quel être humain. Et donc, il est possible étant donné qu'on est comme tout le monde, on fait partie de la matière du monde, si on peut dire ben on se ressent comme tel. Et on est Ben en Égypte, Ervat le pays le plus bas, le plus amoral. On pourrait penser que dans cette situation-là, dans ce monde, que le, le monde lui appartient appartient au corps, c'est-à-dire quoi Ou le corps, plutôt, appartient au monde, pardon. Qu'est-ce que ça comme là, par exemple, ça va Sarah a été prise, kidnappée par la maison de Paroster par la Kripa. Donc, on pourrait se dire que mon corps va être kidnappé au service du monde. Mais par le fait qu'on va révéler la lumière de la qu'est qui est la Madriga de la de ma sœur. Qu'est-ce qui va se passer on va créer un amour aussi dans le corps et dans l'âme animale pour Hachem. Quand on va travailler, on va faire tout ce que le corps a besoin de faire, on, est, on va travailler avec le, le, les choses qu'on a dans le monde pour amener le, le spirituel, là on va révéler l'avantage que le corps lui-même a par rapport à la neshama, comme la malade de Bina par rapport à la chokmah, etc. Ça, ce sera révélé à l'époque du Mashiach, שאז תהיה נשמה נזמת מהגוף השמאלה, לנשמה אל מן ואת חונורי פרו קוד.